Maggie Ball, elle s'est étendue en groupe. Ça va plutôt faire ça. Parce qu'après, duo, pour l'instant, non, parce qu'on n'a rien composé ensemble. Alors, c'est vraiment Max qui va s'adapter à moi. D'accord. Et puis, qui va, voilà, qui va poser sa guitare sur mes chansons, de la contrebassine sur mes chansons, un peu de chant aussi, j'espère. Mm-hmm. Si c'est pas dans l'album, ce sera par la suite. Et puis, par contre, après, ouais, de composer plutôt à deux. Et puis, après, de s'orienter plutôt vers le duo. Il y a des soirs comme ça, on refait le mot nickel, on s'émerde, on met à l'endroit. Tellement on a le même bordel, et il y a des soirs comme ça. J'aurais su, j'aurais pas vu. C'était pas bon pour mon foie. J'aurais su, j'aurais pas vu. Il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça. J'embrasserai bien tout le monde, même si le monde y va pas droit. Je me dis que même la terre elle est ronde. Il y a des soirs comme ça. J'ai embrassé tout le monde. Il y a des soirs comme ça. Des soirs comme ça. Je vais chanter des morceaux avec la Maggie, ouais. Des morceaux de la Maggie, parce que justement, moi je me fais un peu exploiter avec elle là. Ouais. Donc, si déjà je fais de la gratte, si déjà je fais de la contrebassine, si déjà je fais de l'accordéon et un petit peu de claquette, eh ben pourquoi pas aussi foutre un peu de voix, un petit mélange homme-femme, ça peut être cool. Donc voilà, on est parti là-dessus, on va travailler ça aussi. Nous voilà tous comme des connards à saluer un corbillard, à dire ciao à un vieux pote, à avoir mal au fond de la glotte. C'est toujours les meilleurs qui partent, et ça commence à m'affoler. Je voudrais pas finir l'étape, non, je vais pas finir l'étape. Entouré de vieux névrosés, papa da pam pam, da da papa. En fait, quand j'ai commencé, on m'a classé dans la chanson paillarde direct parce que je chantais un peu de beat et puis un petit peu de couille aussi. Et voilà, ça c'était le premier album. Mais après, déjà le deuxième, il était un peu plus engagé et puis un peu moins cru en fin de compte. Et là, ça y est, tu vois, j'ai un peu épuisé mes gros mots. Donc là, maintenant, je passe sur autre chose. Les Roms, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur eux. Dans mes yeux, vos oreilles, vous avez des remplaçants. Faites gaffe quand même à votre oseille et surveillez aussi vos jambes. Ils sont célèbres, on ne parle que d'eux. Même ça énerve certains footballeurs qui vendraient la peau de leurs yeux pour être aussi connus que. Le refrain, je copie une comptine d'enfant, enfin moi que je chantais. Donc tous les gens connaissent cet air et tous les gens reprennent le refrain. Tout de suite, je le chante une fois, la deuxième fois ils sont avec moi les gens. Parce que c'est un air qu'ils connaissent, c'est un air de leur enfance. Parce que c'est quand même un thème important. Enfin pour moi, il fallait en parler de ça. Et j'en rigole, hein, mais c'est hyper pas drôle hein, quand je dis c'est tout eux qui prennent dans la gueule. Parce que oui, en effet, c'est tout eux qui prennent dans la gueule pour l'instant. Il y a eu un moment où c'était les Italiens, il y a eu un moment où c'était les Portugais, après c'était les Arabes, maintenant c'est les Roms. Ben voilà, chacun, hop là, chacun sa partie, ça passera. Hein. Allez, ro-ro-ro, les ro-ro-ro, les Romano, les vols, les viols, tous les contrôles, c'est pour leur gueule. Allez, ro-ro-ro, les ro-ro-ro, les Romano. Je suis née avec Brassens et je pense que je le revendique plus maintenant parce que je maîtrise un peu plus ma voix. Ouais. Tu vois, j'ai jamais pris de cours de chant, j'ai encore moins pris de cours de guitare, ça a toujours été à l'arrache. Donc au début, reprendre du Brassens quand tu sais réellement faire que trois accords et que tout le monde te dit, les gens qui savent pas jouer en tout cas te disent Brassens c'est facile, il y a trois accords. Ouais. Les musiciens ils disent non, Brassens c'est pas du tout ça et Brassens c'est pas du tout ça, il y a pas que trois accords. Donc tant que je maîtrisais pas
à peu près, et ma voix et ma gratte, à peu près. Hein. C'est là, je le faisais pas en concert, en tout cas. Que là, maintenant, du Brassens en concert, j'en reprends souvent parce que j'ai la voix de femme et puis que je les assume, ces chansons, et que je les aime. Et bam, je balance ça maintenant avec le cœur et c'est bon. En fait, il a aucun défaut, à part un petit goût de macho, mais je vous jure, ça me dérange pas. Toi qui le trouves, belle et puis tais-toi. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est monté comme Rocco. De sûr, il y aura Max avec moi sur beaucoup, beaucoup de morceaux. Et puis après, il y aura une copine au violoncelle qui sera là sur un titre, peut-être deux. Clotilde à la harpe qui sera là sur deux titres. Voilà, et puis après on verra. Je pense que ça va être chouette parce que ça va être tout fait avec le cœur, donc ça va être bon. Et puis voilà. Qui m'en sens, qui m'en lasse, qui me dérange, qui m'agace, qui m'emmène, qui me fasse rêver, et qui m'emmerde toute la journée, qui m'attrape, qui m'embrasse.